c'est des blondes. Je fume pas. Pas dans ma voiture. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Bah si, il y a un truc là, t'arrêtes pas de me regarder. T'as 10 ans qu'on s'est pas vu et c'est tout ce que tu trouves à faire, quoi, te foutre de ma gueule. Je me fous pas de ta gueule. Quand je te vois, j'ai l'impression de voir papa, c'est tout. Ça me fait bizarre. Oh, tu viens là? T'es toujours aussi speed comme ça? Allez! T'as mis dans ton ancienne chambre? Ouais, le luminaire marche pas. T'as une lampe de chevet si tu veux. Je peux prendre une douche aussi, mais il reste pas 3 heures sous l'eau. Ça coûte cher. On dîne à 7 heures. Toujours le coup de main, on dirait. Alors t'es venu? Bah oui, tout comme j'avais dit. Tu vas rester là toute la journée à me regarder trimer, les mains dans les poches? Ravi de te revoir aussi, maman. J'ai pas le temps pour les courbettes. Si t'as quelque chose à demander, tu vois, avec ton frère. Mais je demande rien, moi. Bah tant mieux. Parce qu'entre la paperasse des obsèques et l'entretien de la maison, j'ai pas besoin d'un poids en plus. Mais reste pas là. T'as les pieds dans les fleurs. Tu vas rester longtemps? Je te ramènerai du lapin la semaine prochaine. Max va faire le tour de ses pièges. Alors, promis, il m'a repris un ou deux. J'espère qu'ils seront plus gros que la dernière fois. On aurait dit des palombes. C'est pas lui qui choisit, maman. Il nous donne ce qu'il attrape. Ce que je sais, c'est que toi, tu lui donnes des bons morceaux, alors que lui, il te passe ses restes. Ils sont 5 chez eux, maman. Nous, on n'est que 2.
le PMU, c'est toujours Cazenaf qui le tient. Non, parce que tout à l'heure, quand tu m'as ramené, j'ai vu qu'ils avaient déjà emballé la terrasse. Ouais, il la sort plus l'hiver. Ça lui fait trop de boulot pour rien. J'imagine bien que c'est pas pour plaire aux anciens. Hein. Être obligé de fumer leur clope debout dans le froid, ça les tue, ces vieux-là. Laisse, on va finir. Faut que tu te lèves, j'ai du travail. Ton frère t'a fait du café. Paris s'éveille. Tu t'en vas ? Ouais. Je vais donner un coup de main à Biro. Tu veux que je t'accompagne ? Je vais couper du bois, tu sais. Mais t'as pas un truc à me prêter ? Ah tiens. On sera pas trop de deux. Qu'est-ce qui se passe ? Demande à maman. Je donne les affaires de votre père. Ça encombre. Et il y a des gens qui ça peut servir. Et tu crois pas que t'aurais pu nous demander, non ? Il t'intéresse, ton père ? T'aurais pu demander des nouvelles avant. Je joue pas à ça. Il s'excuse, maman. Allez, viens. T'as coupé ? J'ai perdu la main. T'aurais mieux fait de rester au chaud. Je voulais pas me cogner maman, voilà. Parle pas d'elle comme ça, j'aime pas. Oh, ça va, hein, décroche. Tu la connais comme moi, non ? Puis j'avais envie de passer du temps avec toi. Et t'imaginais quoi ? Qu'en coupant trois rondins de bois, t'allais retrouver ton petit Jérém ? J'avais 12 ans, Vincent. 12 ans quand tu t'es barré. J'étais qu'un gosse, putain. T'as pensé à ce que ça pouvait me faire, moi ? Ça va, tu t'en es pas mal sorti, non ? Et puis c'est pas toi qui avais les vieux sur le dos. Papa avait raison. Tu penses vraiment qu'à ta gueule. Vincent, qu'est-ce que tu fais ? Où tu vas ?
Oui, je suis devant la porte, là. Tu peux m'ouvrir, s'il te plaît? Mais t'étais passé où? Ça va, me saoule pas, j'ai plus 15 ans. Oui, mais t'es chez moi. Et t'enlèves tes chaussures. Qu'est-ce qui se passe? Ça va, me casse pas les couilles. Ok. Attends. Excuse-moi. C'est elle, elle me rend dingue. Je suis désolé. Bah viens 5 minutes. C'était chez Claude. Je me souviens. Genre-là, t'avais fini en slip sur le toit de la grange. Ouais, j'avais la frousse. Dis Vincent, je suis tonton. Mais j'ai une tête à être papa. Ouais. Et toi, t'as une copine? Ah, tu sais, ici, on a vite fait le tour. Sauver ça. Il te parlait un peu de l'Algérie, papa? Déjà qu'il était pas très bavard, ça s'est pas arrangé sur la fin. Bien caché. Ouais. C'est le seul endroit où elle fouille pas. Ça lui fait peur. Je sais pas comment tu fais. Hein. L'habitude. Faut croire que j'ai pas ta patience. Tu sais, elle a douillé quand t'es parti. Elle s'en est voulu aussi. Papa, lui, il disait rien. Il partait toute la journée au champ. Il rentrait à pas d'heure. Ça la rendait folle, maman. Elle aurait aimé que tu sois là quand il est tombé malade. Mais vous avez le même caractère. Même si tu veux pas l'admettre. Vous êtes trop fier, toujours à vous provoquer. Qu'est-ce que vous vous mettiez sur la gueule? Tu sais, j'ai pensé revenir une fois. J'avais plus de boulot, je galérais. J'ai pris le train. Je suis descendu sur le quai. Je suis remonté direct. La brume, le vent, l'odeur. Je sais pas. Tout me dégoûtait. Ça n'a jamais été mon monde ici. Bref. Rien à voir avec maman. Mais pourquoi tu lui parles pas? Calmement, je veux dire. Elle est peut-être pas parfaite, mais toi non plus. Je suis plus venu pour toi que pour elle.
Enfin, t'as raison, faudrait. Je vais faire un tour en forêt demain. Tu m'accompagnes? Pourquoi pas, ouais. Si Paris s'éveille assez tôt. Hé, hey, tu m'attends? La grue, je pars dans 2 minutes, là. Attends, je vais t'aider. Lâche ça. T'en as assez fait comme ça. C'est bon, j'ai pas fait exprès, ok? Putain, mais je m'excuse. C'est bon, t'as ce que tu veux? Jamais je ne t'excuserai. Fiche le camp. On se refait pas, hein. Bon, allez, faut y aller, je suis à la bourre, là. Bon, t'accélères, hein. Attends-moi là. Et toi, tu vas où? Il y a des pièges un peu partout là, je vais jeter un œil. Profites-en pour souffler. Et surtout, tu bouges pas. Alors, ça a mordu? Jérém! Jérém! Putain, t'es où, Jérém? Jérém! Crie pas comme ça! Je suis là. Tu t'es pas jeté dessus, j'espère. Ça t'aurait fait marrer, hein. Ah, mais putain, c'est dégueulasse, là. Même pas une petite trace de pneu. Ça te fait marrer, putain. On va s'arrêter là, j'ai les crocs. Oui, on mange quoi? Tu t'es rien préparé? Attends, tu déconnes, là.
Et arrête de pleurnicher. Je croyais qu'on était partis chasseurs. Non, parce que depuis tout à l'heure, on n'arrête pas de marcher, marquer les arbres et à ramasser des pauvres trucs par terre, franchement. Bah, c'est ça, mon boulot. Super. Tu veux chasser? Ok. Et charge-le. Je sais pas comment on fait. Maintenant, tu vises la souche là-bas et tu tires. J'ai pas envie. Hein. Et pourquoi t'es venu alors? Je croyais que tu voulais chasser, moi. Hein? Pourquoi t'es venu? Tu fais le beau, là, hein? Tu fais moins le fier devant maman, hein? Tu veux savoir pourquoi je suis venu? Pour voir la vie de merde que j'aurai jamais! Je crois que tu fais rêver avec tes posters à la con, ta musique de merde et tes joints. T'es même pas fichu de te trouver une meuf. T'attends que maman soit sous la douche pour te taper une queue ou tu préfères qu'elle s'endorme? Allez, casse-toi! Personne veut de toi ici, dégage! Mais qu'est-ce que tu fais? Faut y aller, maman. Il était froissé. Je le rafraîchis un peu. Mais il viendra pas. Tu dis n'importe quoi. Il va repasser prendre son costume. Il sera beau, comme à ton baptême. Putain, tu m'écoutes quand je te parle? Il viendra pas, je te dis. Ça t'arrangera bien, hein? Qu'est-ce que tu racontes? J'ai rien à voir là-dedans. C'est toi qui l'as fait partir! Tu délires. Et qui l'a envoyé chier quand il est arrivé? Depuis toi! Tu chopes dans le vide. Vincent, il a du charisme. Vous n'êtes pas de la même trempe. Toi, t'es un mot, comme ton père. Tu le sais, tu l'as toujours su. Tu perds ton temps à attendre quelque chose de lui, alors que moi, je suis là, et tu me traites comme de la merde! Ton fils, c'est un baltringue. Au premier coup de fusil, il a détalé comme un lapin. Il était revenu. Tu peux sortir. Je dois finir de me préparer.
André Ménardier était un homme de valeur. Il a travaillé toute sa vie pour que sa famille vive bien, sans jamais manquer de rien. Il a toujours fait en sorte de nous rendre heureux. Les dernières années de sa vie ne l'ont pas récompensé des sacrifices qu'il a faits pour nous. La maladie l'a emporté, alors qu'il avait encore de belles années à vivre ici, parmi nous. Il s'est battu jusqu'au bout, entouré par ceux qu'il aime. Il nous manquera à jamais.